Salut tout le monde, c'est Mika et rendez-vous ce soir à 21h. Nous sommes à Bidar. Ce matin, il y avait de la pluie et même pendant l'après-midi. Mais maintenant, il fait beau, il fait même presque chaud et ça va être une ambiance superbe. Les concerts très 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 privés au début de l'été, c'est souvent quelque chose de magique. Donc rendez-vous à tout le monde qui ne peut pas être ici sur place ce soir à 21h en direct sur RTL. Celui-là, numéro 4. Numéro 1. C'est ce mélange de triste et de joyeux. En fait, c'est fondamentalement pop. La pop qui fait du bien à l'âme. Elle me dit, écris une chanson contre... Cette chanson, elle a commencé comme... c'était pas une chanson, en fait. C'était une chanson qui se moquait du processus de l'écriture d'une chanson. Quand on avait fini, c'est Dorian avec qui j'avais écrit, un ami à moi, dit non mais il y a vraiment un truc. Je dis mais je pense que t'as bu trop de vin, je pense que t'imagines des choses, mais non, il avait raison. Wow. Alors j'ai rempli 1, j'ai rempli 4, j'ai rempli 3, je vais la mettre à 5, 2. Oh non, ça c'est parfait à 5. Parce que cette chanson, elle appartient à tout le monde. Voilà, il y a certaines chansons qui, après un certain moment, elles appartiennent à tout le monde. Et Relax, c'est un exemple parfait de ça, dans le bon sens du terme.